Samer, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Donc, Samer Bellik, consultant web marketing. C'est ma troisième participation à Algérie 2.0. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi être toujours présent à Algérie 2.0? Parce que nous apprécions l'initiative et on essaie d'encourager tout ce qui se fait sur le web en Algérie. D'accord. Donc, la thématique abordée aujourd'hui, c'est les CEO. Vous pouvez nous expliquer la présentation ou la conférence que vous avez animée ce Bien sûr. matin? Donc, lui, on a fait une introduction à la SEO qui est Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le site web ou l'application ben au milieu de toutes les autres applications, les résultats à les moteurs de recherche. D'accord, apparemment, on parle de milliards d'applications, donc il faut vraiment. Exactement. Et encore plus de sites web qui se créent tous les jours. Donc, lui, on a créé un site web TAO, ou Habiban, justement, parce que le but, c'est que le Nast visite. C'est sûr. Donc, il faut appliquer certaines règles. Les moteurs de recherche, l'algorithme, les MSHUBE, il y a le site où il fait en sorte de bien le classer sur les moteurs D'accord. de recherche. Et vous proposez des solutions Exactement. pareilles aux développeurs algériens? Tout à fait. Est-ce qu'il faut appliquer ces solutions avant, pendant le développement, ou là, on peut rattraper après? Alors, aujourd'hui, quand on construit un site ou une application, par défaut, tous ceux qui proposent des outils pour faire ça proposent d'optimiser pour les moteurs de recherche. C'est un D'accord. travail de base qui est fait automatiquement. Mais D'accord. ensuite, ce n'est pas suffisant parce que les algorithmes de recherche, les moteurs de recherche, ils évoluent tout le temps. Tout le temps. Et donc, pour pouvoir s'adapter à ça, il faut toujours suivre l'actualité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été modifié, pour pouvoir s'y adapter et faire en sorte de toujours être bien présent et cette année qu'on optimise. D'accord. D'après vous, les sites algériens, est-ce qu'ils sont bien présents dans les moteurs de recherche? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Alors, sur beaucoup de sites, on va dire qu'ils ont une notoriété tellement grande à la base qu'ils n'ont pas besoin de faire un gros effort de SEO. Ce qui D'accord. fait que, par exemple, un journal, Nasgada Alfo, automatiquement, il va aller à SMO, il va directement. D'accord. Mais pour d'autres sites qui se lancent, c'est plus difficile justement de combattre contre ce genre de sites D'accord. qui ont une réputation qui existe depuis longtemps. Donc, pour ça, lazim yakhdmou ala la SEO. Mais même hadouma les grands, ils peuvent se rendre compte en faisant des petits tests sur le site taham, est-ce qu'ils peuvent avoir de meilleurs résultats? D'accord. Donc Donc, on peut toujours améliorer. exactement. D'après la conférence de ce matin, vous avez dit qu'on peut gagner de l'argent avec un meilleur référencement. Donc Tout à j'aimerais fait. bien que vous nous expliquiez. Donc justement, la conférence est établie en trois parties. La première partie, c'était explication de ce que c'est que la SEO. Ensuite, on a parlé des problématiques de la région Tana, donc le Maghreb et l'Algérie plus précisément. Ou D'accord. Kmelnaha avec comment gagner de l'argent sur Internet. D'accord. Donc, comment gagner de l'argent sur Effectivement, Internet? C'est ça qui c'est nous le plus intéresse. important. Donc, l'étape numéro un, c'est d'avoir un site bien optimisé qui D'accord. attire beaucoup de gens. Donc, plus on D'accord. aura de trafic sur le site, plus on a de chances de gagner de l'argent. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Grâce à des programmes qui est à Google qui s'appellent AdSense. Donc, sur Google, vous le savez peut-être, Google est une grosse boîte de communication. Les gens font de la pub sur Google et Google peut cibler cette publicité parce que les gens derrière, Google sait ce qui intéresse les gens grâce aux recherches. D'accord. Et donc, on en va avoir la publicité à Google soit sur la page de recherche à Google, soit sur les réseaux partenaires qui ont des bannières à Google qui s'appellent AdSense. Donc, tout D'accord. le monde peut mettre ses bannières gratuitement sur leur site. Et à chaque fois qu'une publicité sera affichée ou que quelqu'un clique sur la publicité, ils vont pouvoir gagner de l'argent. D'accord. Est-ce qu'on peut combiner la qualité du contenu avec un référencement haut et gagner de l'argent? Bien sûr, c'est exactement la formule qu'il faut appliquer en fait. La première règle, c'est d'avoir un contenu de qualité et un D'accord. contenu surtout original. D'accord. Donc, si on a un bon contenu, un contenu original qui est mis à jour assez fréquemment, on se retrouve automatiquement en haut des pages de résultats des moteurs de recherche. D'accord. Une fois qu'on a ça, il faut fidéliser ensuite l'auditoire Tana. Donc, D'accord. l'auditoire, s'il revient souvent, il va aimer ce qu'on fait, il va partager, on va avoir encore plus de gens, etc. Ça crée le buzz. Et derrière, plus on a de gens qui viennent visiter le site, plus on a de chances qu'ils vont cliquer sur les pubs. D'accord. En Algérie, on compte à peu près 80 000 sites, ce qui est dérisoire par rapport à d'autres pays. Par exemple, si on prend la France, ils vont atteindre incessamment la barre de 3 millions. Donc, comparer 80 millions à 3 millions de sites, c'est incomparable. Oui. Comment on pourra booster le nombre de sites algériens, d'après Alors vous? justement, en Algérie, le problème, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de contenu? On a deux raisons.
un, le taux de pénétration d'Internet, qui s'améliore de jour en jour. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est 7,5 millions à peu près sur Internet, internautes. Et justement, les internautes, aujourd'hui, ils sont plus consommateurs que créateurs de contenu. Oui. Voilà, parce que même ceux qui veulent bien créer du contenu, à un certain moment, ils hapsou, parce que c'est vrai que c'est une passion au début, mais il faut pouvoir en vivre pour pouvoir continuer. Et tant qu'on ne connaît pas les business models où on a donné le dirham sur Internet, on s'arrête. Moi-même, à l'époque, entre 2005 et 2007, j'avais créé un forum. Ça a duré 2 ans, ça a bien marché, mais on ne pouvait pas suivre parce que c'était pas... Ça ne payait pas le loyer. Voilà, exactement. Bien que j'étais étudiant à l'époque, mais ça va. D'accord. Donc, vous avez parlé de 2 points pour pouvoir avoir du contenu. Donc, le débit et le deuxième point. Deuxième point, un business model. Que les gens sachent comment pouvoir gagner de l'argent sur Internet. C'est quoi le meilleur business model? Le meilleur business model. Pour avoir du contenu de qualité et gagner de l'argent. Ben, on a un exemple des choses qui se font aujourd'hui sur Internet. D'accord. J'ai donné l'exemple des bannières AdSense. Et il y a aussi la possibilité de gagner de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube. D'accord. Donc ça, c'est récent pour l'Algérie parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas monétiser des vidéos. Et maintenant, donc ça fait 2-3 semaines, YouTube, halloul bébé pour l'Algérie. D'accord. Et donc en faisant ça, aujourd'hui, sur les vidéos les index sur YouTube, qui t'uploadera, il va mettre un petit signe dollar. D'accord. Quand tu cliques là, ça permet à Google de faire des publicités sur les vidéos tag, ou là, sur la chaîne tag. D'accord. Donc grâce à ça, bon, faut aussi s'inscrire sur AdSense pour pouvoir leur donner un compte en banque au niveau du dirham, etc. D'accord. C'est normal. Donc, une fois qu'on a ça, plus on a de vues, plus on a d'argent, etc. Et si on atteint un certain nombre de vues dans les 90 jours précédents, on devient associé à YouTube. On peut devenir Google, YouTube Partner. Ah, d'accord. Pas associé, non. Non, partenaire. Partenaire privilégié, ça donne accès en fait à beaucoup d'outils de YouTube. Ça donne accès aux studios YouTube, à l'aide des marketeurs YouTube, etc. qui vont aider à booster encore plus le contenu. Parce que derrière ça, plus les gens vont voir les vidéos sur YouTube aussi, plus Google gagne de l'argent aussi. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Ouais, c'est bon. C'est bon.